Bonjour. Alors, comment vous allez? Vous allez vous relaxer ce matin. Bonjour la reine Brigitte, nous t'envoyons de la lumière et de la guérison, de l'amour. Je veux commencer la journée avec vous. Merci. Les consultations, je les fais au téléphone. Tu as compris?
Je fais des consultations au téléphone, ne cherchez pas à me rencontrer physiquement. Je consulte exclusivement par appel vidéo sur WhatsApp. Tu veux me faire le Habibi? Come to Dubai. Pardon, laissez-moi se relaxer. Donc, vous avez votre encens, vous l'allumez. Je sais que vous aimez les choses comme ça. Voilà, vous avez comme ça. Thierry, Sylvie, tu peux me représenter à Dubaï, oui. On va aussi la lumière. Consultation téléphonique, ça dépend de ce que vous voulez. Il y a les interprétations de rêves. Lecture de destinée. Maintenant, quand vous envoyez vos détails, si c'est lecture de destinée, ça prend un peu de temps. Parce que l'énergie doit être bonne de mon côté. Il y en a parmi vous, vous ne vous lavez pas au sel. Commencez avec le sel, je vous en prie. Je mets la lumière entre vous et moi. Cette lumière continue de vous éclairer et de m'éclairer. Je bloque tout mauvais esprit, toute personne mal intentionnée qui voudrait interrompre. Si je te lave déjà au sel, je peux te consulter même aujourd'hui. Je sais que vous ne croyez pas à cette affaire-là. Toute personne qui m'a envoyé ces détails que je n'ai pas pu consulter. Quand tu regardes bien, cette personne-là, c'est là, pas avec celle. Tu es tombé sur ma vidéo une fois comme ça, là. Après, tu n'as plus jamais regardé. Donc, je vais faire un peu de relaxation avec vous ce matin. Parce que je sais que là, vous êtes en train de scroller sur Facebook. Et vous n'avez pas pris le temps pour vous. Donc, je m'apprêtais à le faire pour moi seul et le Saint-Esprit m'a dit, je dois partager avec vous. J'ai pris le soin de venir au canapé. Je suis dans un truc, dans un Airbnb ici là. Je vais poster une vidéo aujourd'hui qui montre comment se laver avec le sel. Trois pincées de sel blanc normal dans ton eau. Psaume 35, psaume 91, tu lis. Ceux qui sont en Europe et tout ça, la consultation, c'est 100 euros. Vous avez compris. Commencez à regarder d'abord mes vidéos. Si ça fait 2 minutes que vous m'écoutez, ne cherchez pas à me consulter. C'est pour ça que j'ai mis les prix de ma consultation comme ça. Parce que je veux qu'en venant me voir, tu dois d'abord connaître ce que tu veux. Vous aimez, oh, je vais m'asseoir, dis-moi non. Je ne te dis rien. Je suis envoyé vers les choisis. Un choisi, c'est quelqu'un qui va et doit être activé. Quelqu'un qui a des dons. Quelqu'un qui est censé, qui est un guérisseur. Quelqu'un qui est... Il y a une dame qui m'a fait un voice hier. Elle était là pour le lavage des pieds qu'on a fait le 5. Je ne l'ai pas lavé physiquement. Là, elle rentre chez elle. Elle commence son kit fondation. Elle rêve donc le troisième jour, je pense. Qu'elle était assise sur une chaise. Je la faisais asseoir sur une chaise de meuf. Et j'étais en train de la laver en même temps. Je la lavais physiquement sur la chaise. Et il y avait un homme derrière, je suppose que c'est son ange. Et l'homme précisait qu'il y a deux esprits qui la bloquent. Bois et piton. Quand j'ai commencé le traitement avec elle, après l'avoir consultée, quand j'ai donné les choses qu'elle avait parti faire, Bénédicte, bonjour. Je lui ai bien dit, moi je travaille en collaboration avec vos
sans gardien, vos ancêtres et le Saint-Esprit. Et le but, c'est de vous libérer. Quel meilleur moyen que de te libérer en t'activant? Beaucoup d'entre vous, quand je commence le travail, vous avez des rêves qui viennent. Et je vous apprends aussi à lire vos rêves. Donc, c'est bien de faire cette méditation tôt le matin comme ça. Parce que si tu as mal dormi peut-être, avant de faire cette méditation sur le matin, lève-toi, tu te laves d'abord avec le sel. Et si tu as mal dormi, c'est parce que tu n'as pas fait ton bain hier dans la nuit avant de dormir. Donc, la nuit, ne mangez pas n'importe quoi avant de dormir. Évitez beaucoup la viande. Commencez à manger plus de poisson et plus légumes. Ne mangez pas tard avant de dormir. Lavez-vous avec du sel avant de dormir et mettez le sel autour de votre lit avec un verre d'eau. J'ai fait une petite vidéo que je vais mettre en journée. J'ai mis ça sur TikTok. Ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai mis ça ce matin. Donc, quand tu te réveilles, si tu as effectivement, tu t'es lavé avec le sel avant de dormir, tu vas voir. Quand tu vas te coucher, quand tu vas te réveiller, pardon, déjà le rêve de la nuit sera un peu plus. Tu vas te rappeler un peu. Alors que quand tu te laves avec le sel avant de dormir, tu te sens tiraillé, attaché. C'est bizarre. Le sel de mer, c'est ok aussi. Donc, tu te réveilles. Si tu n'étais pas lavé le sel avant de dormir, lève-toi maintenant. Pas d'abord mettre le sel dans l'eau, tu te laves, là. Tu verses rapidement sur toi, hein. Tu reviens. Donc, je mets la lumière plus sur vous. Mon nom sur TikTok, c'est Reine Lumière. En un mot. Bibi, come to Dubai. On va faire la relaxation. Ceci est un peu délicat si tu dois avec B. Et si tu as le genre de B que c'est à 5 heures qu'il veut. Parce que faire l'amour le matin, c'est très délicat, gars. Parce que le matin, c'est le moment où tu dois concentrer tes énergies. Te focaliser sur la journée. Te rappeler des instructions qu'on t'a données la nuit. Et aussi, l'une des raisons pour lesquelles vous ne vous rappelez pas de vos rêves, c'est parce que... Partagez ma vidéo. C'est quoi avec vous? Partager. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se coucher. Vous allez juste sur YouTube et vous cherchez musique relaxante, c'est tout. Merci pour le partage. En te couchant, tu peux mettre l'intention. Bizarre, ils me conduisent trop à me coucher avec vous ces derniers temps. Donc, tu peux mettre l'intention à la nature, à l'univers. Voilà. Je me couvre de lumière. Esprit du Dieu vivant, s'il y a des messages que tu voudrais me faire passer, je m'ouvre pour les recevoir. Je reçois la direction de mes ancêtres. Donc là, il y a de l'encens ici. Il y a une bougie. Si le sol est carrelé, vous pouvez verser du sel au sol. Ok? Et là, vous fermez les yeux.
Pendant ce temps, on se nettoie l'esprit des mauvaises pensées. Est-ce que vous aurez tendance à vouloir penser à votre ex qui vous a énervé? Les problèmes de la journée qui arrivent? Le tout, c'est de faire le vide dans son esprit. Ok? Pouvez-vous répéter des phrases? Je vais dire ces phrases à voix haute. Et c'est ce que vous pouvez vous dire dans la tête. Anne, quand je viens à Douala, je consulte en ligne. Je ne vous consulte plus physiquement. Tu as compris? Tu as compris, non? Donc, vous arrêtez de vouloir me voir physiquement. Je consulte maintenant. Mais si tu arrives à Douala, tu es dehors, je vais te consulter au téléphone. Et je suis dedans dans mon bureau. Voilà. Vous allez arrêter votre truc que vous voulez de me voir physiquement là. Vous voulez me voir pour faire quoi? Donc je vais répéter les phrases que je me dis à l'intérieur de moi, à voix haute. Vous inspirez. Et vous expirez. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Nez. Bouche. Je suis heureuse. Allez, je vais baisser un peu le volume. Je suis heureuse. Tout concourt pour mon bien. Je suis heureuse. On inspire. On expire. J'aime la vie. On inspire. On expire. Tout se passe super bien pour moi. Je suis très riche. Les clients viennent en abondance. J'arrive à tout accomplir. Je suis puissante. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis heureuse. J'aime la vie. L'abondance vient vers moi. L'abondance, c'est mon droit de naissance. Je suis puissante. J'aime ma vie. Si vous êtes vigilant quand vous faites ça, vous allez commencer à vous rappeler de vos rêves. Ma chérie, mes bureaux sont toujours ouverts à Douala. J'ai des employés là-bas. Donc, si tu veux quelque chose, tu pars à Douala, on va te donner. Comment tu crois que si je vais, j'ai fermé ma boutique?
Quand vous venez aussi demander des trucs qui n'ont pas de sens comme ça, je n'aime même pas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ça, ça peut être une méthode très efficace pour vous rappeler de vos rêves. Parce que j'ai été un peu idiote la nuit dernière. J'ai dormi sans faire mon rituel de la nuit. Ce qui fait que j'ai fait des rêves qui n'étaient pas très très clairs, qui étaient bizarres. Et quand je me suis réveillée, j'ai oublié ces rêves-là. Donc pendant que j'entends vous parler, je voudrais me rappeler de ces rêves. Votre problème souvent, c'est que quand vous vous réveillez le matin, vous sautez rapidement du lit. Donc vous continuez. On ne s'endort pas pendant qu'on fait ceci. On s'arrange pour être conscient. Donc tu es moitié endormi. C'est à ce moment que c'est facile pour toi d'imprimer ton subconscient avec de nouvelles façons de penser. Et vous devez vraiment, mettez-vous à l'aise. Tu es dans un vêtement dans lequel tu es à l'aise. L'argent vient vers moi aujourd'hui. Je reçois de l'argent tous les jours. J'émane de la joie autour de moi. Je suis heureuse. Cette journée va bien se passer. C'est une journée de paix, d'amour. Tu vas recevoir de grosses sommes d'argent. J'attire les bonnes personnes. Mes employés me traitent bien et je les traite bien. Mes employés travaillent bien. Mes enfants sont doux et obéissants. Mon mari m'adore. Je suis heureuse. Tout va bien se passer pour moi. Je suis heureuse.
Tout ce que je fais réussit. Mon chiffre d'affaires s'est multiplié par 10. J'émane de la puissance. Je suis un agent de lumière. Je donne de la joie partout où je passe. Je suis heureuse. Tout ce que je fais réussit. Aujourd'hui, mes clients viennent en abondance. Aujourd'hui, je reçois de belles propositions de business qui vont me rapporter beaucoup d'argent. On change de musique. Bonjour, joyeux anniversaire. Divine. Je suis libérée. Je suis libre. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. Je reçois de l'argent en abondance. Je reçois de l'amour en abondance. Tout ce que je fais marche. Quand vous inspirez, vous voyez comme si la joie entre dans chaque cellule de votre corps. Et vous expirez la peur.
en paix. Toutes les cellules de mon corps sont en santé. J'attire de l'amour. Tous ceux qui me rencontrent aujourd'hui m'aiment. Ils me donnent de la faveur. Je crée plusieurs sources de revenus aujourd'hui. Cette journée, c'est une merveilleuse journée. Tous mes projets vont s'accomplir. Je suis heureuse. Tout se passe bien pour moi. J'ai la faveur avec tout le monde. Mon mari m'aime, mes employés m'aiment, mes enfants m'aiment. Je mérite l'amour, je mérite le bonheur. Aujourd'hui, on va me donner beaucoup d'argent. Quand vous fermez les yeux, vous voyez quelque chose, notez. Vous suivez, non, notez la chose. Je ne sais pas si vous voulez mon soutien. Et portez un soutien blanc. Pour ceux qui ont des dons spirituels, vous en avez 12 ans. C'est le moment pour vous de... Vous aurez des flashs. Donc vous vous levez, vous écrivez. Si tu te rappelles de ton rêve, tu notes le rêve que tu avais oublié. Et quand tu notes ton rêve, surtout ce qui compte dans ce rêve que tu es en train d'écrire, c'est comment tu te sentais. Est-ce que dans le rêve, tu te sentais bien? Est-ce que tu te sentais mal?
que tu avais peur. Tu notes. C'est aussi le moment pour toi de noter si tu as des instructions que les ancêtres t'ont données la nuit que tu n'as pas notées ou que tu as oubliées. Note. C'est le temps aussi pour toi de réfléchir et voir si ce que tu vas faire dans la journée correspond avec ta mission de vie. Parfois, vous pouvez passer une, deux, trois journées, une semaine, et vous ne faites rien qui a un rapport avec votre mission de vie. C'est pas bien. Bonjour Joséphine Magne depuis Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Rinoff. Bonjour Hortense. C'est dans un état relax que vous allez puiser dans ce qui est dans le fond de vous. Et ça va remonter. Parce qu'on ne veut pas seulement chercher l'argent dans la journée. On veut aussi faire ce qui s'aligne avec notre appel. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas heureux. Parce que ce que vous faites ne correspond pas. Voilà, tu vas dire, je vais aller travailler là-bas. Je vais aller porter l'argent là-bas. Je vais aller faire ceci. Est-ce qu'il y a des instructions qu'on t'a données la nuit? Tu t'es réveillé, tu as oublié. Et ce que tu te rappelles à 5h30, à 10h, il y a de très faibles chances que tu te rappelles encore, si tu n'as pas écrit. Et ce n'est que ton appel de vie qui va te sortir de la galère dans laquelle tu es. Tes dons. Des dons, c'est ça qui va te sortir de ta galère. C'est aussi à ce moment que vous mettez vos intentions pour la journée.
je vous envoie de la lumière pure. Je mets la lumière entre moi et vous. Je bloque toute énergie négative. Attendez, j'arrache mon soutien. Mais... J'aime les choses comme ça. J'aime faire avec vous comme si. Comme si. Ou un peu non. N'ayez pas les complexes. Ne soyez pas complexés. Et surtout quand vous me voyez physiquement, ne soyez pas complexés. Sentez-vous free. C'est vrai qu'il y en a que vous vous sentez tellement free que j'ai dit encore que hey, c'est comment? Tu me connais depuis, je ne te connais pas encore, non? Ouais. Les gens, oui, la reine, hé hé hé. Il dit que ouais, mamie, oh, je ne te connais pas. Donc, profitez de ce moment-ci pour prendre des notes, projeter dans votre journée, mettre la positivité et surtout écrire. Beaucoup d'entre vous, vous venez en consultation alors que 80% des choses que je vous dis, l'esprit vous avait déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous allez devoir prendre du temps le matin pour puiser à l'intérieur de vous. Par exemple, là, je suis à 2 minutes de la plage. Ce que je fais tous les matins, je me lève, je vais à la plage. Je m'assois. Je regarde l'eau. Et je laisse maintenant les pensées intérieures remonter. Les instructions pour la journée, les directives. Rosalie, c'est peut-être un moment, comme tu sors de la maladie, c'est peut-être un moment pour toi de prendre de nouvelles directions pour ta vie. Parfois, la maladie, c'est là pour vous rappeler à l'autre. Donc, vous mettez de l'encens. Vous voyez, ça brûle toujours depuis là. Et puis là, vous vous dites, qu'est-ce que vous m'avez dit que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit attendre? Qu'est-ce qui est pour maintenant? Qu'est-ce qui doit attendre? Ces actes que vous faites le matin, ça va, ça vous aide à... Beaucoup d'entre vous, vous ne vous aimez pas vous-même. Ça comble le vide émotionnel que vous avez à l'intérieur de vous. Thank you.
Je bloque toute mauvaise onde, tout mauvais esprit, toute mauvaise intention. Je vous purifie. Je vous envoie de la lumière. Je vous souhaite une belle journée.